Je sais ce que tu es en train de te dire. Il était où encore lui? Ben, j'ai pas disparu. Je vous avais prévenu, je vous ai dit de me suivre sur Instagram. Et vous m'avez pas écouté. Ceux qui m'ont écouté, ils ont vu mes revues, ils ont pu voir mes avis à chaud, mes unboxings, mes visites de boutique. Tous ceux qui étaient avec moi sur Insta, ils n'ont rien raté. Donc je t'invite à le faire dès maintenant. Suis-moi sur Instagram. C'est vachement important parce que quand je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à YouTube, c'est sur Instagram que je me rattrape. Voilà. Bonjour mes camarades parfumistas, j'espère que vous allez bien, c'est Val, je suis ravi de vous retrouver. Je sais que les temps sont très difficiles pour tout le monde. Moi, je n'avais pas la possibilité d'être sur YouTube comme j'avais l'envie, hein. C'est pas l'envie qui me manquait, mais voilà. C'est avec un déménagement, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de setup, je ne suis plus dans le même appartement. Voilà, donc j'avais vraiment peu de temps pour me remettre à fond sur YouTube. Ça demande beaucoup d'investissement et c'est pas évident. Donc je pouvais que me rattraper sur Instagram. Voilà, mais je suis content quand même de vous retrouver au jour d'aujourd'hui. Shenron aussi, il est content de vous retrouver. Alors cette vidéo, elle sera en deux parties. La première partie, je vais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup et que je sais vous plaira également. Une marque pas chère et en plus qui sent super bon, donc on gagne au change, j'ai envie de te dire. Et puis la deuxième partie, c'est pour une grosse annonce, ouais. Ouais, c'est une grosse annonce à mon sujet, je suis content de vous partager ça, mais ça, je vous le donne en surprise à la fin. Donc on va commencer avec cette fameuse marque dont je tenais à vous parler. Je l'avais découverte dans un salon qui se tenait à Paris pendant une semaine ou qui présentait différentes marques. C'était une façon pour les marques d'avoir, comment dire, un contact avec les parfumistes, les passionnés. C'était totalement gratuit. Donc c'était une façon vraiment de découvrir des marques qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait déjà, mais aussi d'avoir, hein, les propriétaires de ces marques en face à face et d'échanger avec eux, et franchement c'était formidable. L'année prochaine, quand ça arrivera à nouveau, je vous ferai un rappel, je vous mettrai l'info, mais je l'avais mise sur Instagram, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment. Suivez-moi sur Instagram parce qu'il y a plein de choses que je peux vous délivrer en direct, en efficacité, en rapidité, que je ne peux pas faire en YouTube. Donc cette marque, c'est Elaïo. Déjà, le mot Elaïo, c'est un mot grec qui veut dire huile. Voilà, donc vous l'aurez compris, le principe de cette marque, c'est des fragrances huileuses. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Voici le packaging pour les fragrances test. Voilà, donc c'est des petits formats et c'est très mignon. Ça coûte pas cher, hein. C'est des roll-on et dedans, c'est du 3 millilitres. C'est des formats 3 millilitres. Ça, c'est le coffret pour découvrir les fragrances. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. Alors, pour vous parler de la marque Elaïo, il s'agit d'une marque de niche qui est novatrice, qui est consensuelle, bien sûr, et qui fait de façon pour que tout le monde gagne au change, les producteurs, les sourceurs de matière, etc., etc. C'est sain. Comme je vous ai dit, c'était une marque française. Elle a été créée à Bordeaux. Vous voyez d'ailleurs la couleur des flacons, elle est couleur Bordeaux. Donc, c'est un beau rappel. C'est une marque qui a été créée par deux sœurs. Il s'agit de Héloïse et de Bérénice. Et elles ont confié la création des fragrances à deux femmes, un autre duo de femmes. Donc il s'agit de Clémentine Humeau et de Marie Hébert. Et ce sont deux femmes qui travaillent pour leur propre entreprise studio de création de parfums qui s'appelle les Olfactines, qui est aussi une boîte bordelaise. N'est-ce pas formidable? Donc, comme je vous disais au tout début, il s'agit de fragrances
à base d'huile. Donc c'est un peu comme des attars. Ce ne sont pas des attars. Les attars, ce sont des fragrances huileuses indiennes faites à partir et uniquement de matières premières naturelles. Mais là, ici, nous avons à la fois du naturel et de la synthèse pour que les fragrances soient encore plus développées, magnifiées et travaillées pour avoir des nuances exceptionnelles. C'est vraiment un rituel. L'idée derrière, c'est un rituel parfumé, se faire plaisir à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Vous avez donc des flacons qui sont nomades. Les flacons sont vraiment faciles à transporter. Vous pouvez y aller partout avec, même les grands formats. C'est tellement discret que franchement, ça ne pose aucun problème pour se déplacer avec. Vous le glissez dans votre poche, vous le glissez dans votre sac, vous le glissez dans votre sac de sport. Vous faites plaisir à n'importe quel instant. Vous avez envie de vous mettre bien, de vous parfumer, de vous glisser ce parfum sur la peau. Et voilà, vous le faites. Je vous montre. C'est un roll-on avec des billes, voyez, et vous faites ça. Je le fais sur ma main, mais en vrai, vous voyez, vous le faites sur les parties du corps ou les points de pulsation du corps qui font que le parfum va se réchauffer. Donc, ce sont des parfums de peau, ce sont des parfums pour soi. Et pourquoi d'ailleurs ils ont bien insisté là-dessus? Vous voyez, le nom de chaque parfum commence par peau. On vous dit la vérité, ce sont des parfums de peau, donc des parfums qui auront une belle tenue, mais ça va rester intime, ça va être vous qui profiterez de la fragrance et ceux aussi qui sont amenés à pouvoir s'approcher de vous. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce que ça sent super bon. Vous savez, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui, par contre, ne supportent pas les parfums qui embaument, les parfums qui ont beaucoup de sillage et ça les dérange, ils ne veulent pas ça, ils veulent être discrets. Hein, ils veulent sentir bon. J'ai même des collègues comme ça qui me disent: oui, mais bon, moi, j'ai pas envie que tout le monde sache que j'ai mis du parfum. Je respecte. Et pour le coup, Elaio vous permettra de sentir bon longtemps. Vous pourrez en remettre dès que vous verrez que le parfum commence à s'estomper et vous ne dérangerez personne. Ça sera vous qui profiterez de votre parfum. Voilà, c'est intime et ça sent super bon. Le premier parfum que je vais vous parler, du coup, ça sera le pot salé. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une fragrance qui évoque un petit moment à la plage, au soleil, détente, farniente. Voilà, c'est ça en fait, c'est bien ça. Et dedans, vous aurez en note de tête du frangipanier, de l'ylang-ylang, de l'héliotrope, de la noix de coco. En note de cœur, vous aurez des notes marines, des notes salicylées, du géranium, de la mousse d'arbre, ainsi que de l'ambroxan. Et puis en note de fond, vous aurez des notes de bois ambré, de la vanille et du musc blanc. C'est un floral blanc. Qui est crémeux, qui est iodé. Imaginez un individu, la peau bronzée, la peau tannée, au bord de la mer. Voilà, la peau est encore avec cette odeur particulière chaude due au soleil qui tape, plus le sel de la mer. Vous avez cette odeur qui est là. Vous avez aussi, du coup, sur votre peau, un peu d'ambre solaire. Donc, ce mélange très addictif, hein, très particulier, hein, qu'on ne retrouve qu'à ces moments-là, avec toutes ces conditions réunies. Ce parfum-là vous donne ça. Donc, c'est un parfum qui, pour moi, évoque les vacances, quoi. Ah, les vacances au bord de la mer, au bord de la plage. C'est exactement ça. C'est un parfum estival. L'eau salée, la mer, les vagues, les cris des enfants, les gens qui bronzent. C'est tout ça en flacon. Je suis addict. Cet accord de frangipani, ylang, coco, musc blanc. Oh, les notes marines. Tout y est, tout est bien travaillé, tout est bien pensé. Ensuite, je vais vous parler de peau à peau. Et la peau à peau, vous aurez des notes de mandarine, de petits grains, de fleurs d'oranger, de néroli, des feuilles de violette, de l'ylang. Ça, c'est les notes de tête. En note de cœur, vous aurez du maté, de la guimauve, de la fève de tonka, du vétiver, de l'héliotrope. Et en note de fond, des notes poudrées, du musc blanc et de l'ambroxan. Et là, pour le coup, peau à peau,
C'est pour les accros des fleurs d'oranger. L'odeur de fleurs d'oranger, si vous aimez ça, vous serez servi. C'est clairement cette odeur, cette fragrance que vous allez avoir, mais à fond la caisse. C'est sans compromis, c'est vraiment, oh là là, une odeur d'enfance, une odeur un peu de bébé. Ça, c'est un plaisir. Vous êtes dépaysé, vous êtes encore en Méditerranée, vous n'êtes plus au quotidien où tout est tendu, excessif, agacé, agaçant. Non, là, vous êtes vraiment au soleil. C'est la brise, le souffle du vent, l'odeur des agrumes. Oh my God, c'est terriblement bon. Il faut que vous testiez ça. Et le fait que ça soit sous forme d'huile, le plaisir, ça se love sur votre peau. Donc c'est un parfum qui sera simple mais très efficace. Et puis comme je vous dis, il faut aimer la fleur d'oranger, le néroli. Si c'est le cas, ce parfum est pour vous. Peau à peau. Je vais enchaîner avec peau secrète. Peau secrète. Ici, vous aurez en note de tête du santal de Nouvelle-Calédonie, du vétiver, du cadis et de l'ambroxan. En note de cœur, on aura de l'essence de lide de vin, de la concrète de son, du calamus, de l'opoponax, de la sauge sclarée, de l'extrait de café. En note de fond, de l'absolu de jasmin, du musc blanc. Là, on a une peau gourmande. C'est ça, c'est la gourmandise, l'excès. Quelqu'un qui se retrouve seul, et puis voilà, c'est son moment de détente. Netflix and chill, elle ouvre son paquet de biscuits ou ses gâteaux, et sans gêne, plonge la main dedans. Là, vous avez donc une odeur de gourmandise, une odeur de biscuits, mais aussi une odeur lactée, un tout petit peu café aussi, vite fait. C'est un parfum pour les personnes qui se cachent pour se faire plaisir avec des biscuits, des gâteaux au beurre, des choses qui savent que bon, bah, c'est pas très bien pour le body summer, mais on s'en fout, il n'y a personne pour nous juger. Ben voilà, ce parfum, c'est cette odeur-là, c'est la gourmandise, sans excès, mais la gourmandise quand même. Je vais enchaîner avec peau perlée. Peau perlée, là vous aurez des notes rosées, du vétiver d'Haïti, de la lavande de Provence, des baies roses, des notes de linge propre et des notes anisées. Ça c'est pour les notes de tête. En note de cœur, vous aurez du cèdre de Virginie, du baume gourjoum, du patchouli, du labdanum, du cuir et puis de l'ambroxan. Et en note de fond, de l'héliotrope, du lait d'amande, de la graine de carotte, de l'iris et des notes poudrées ainsi que du musc blanc. Et là, il s'agit du parfum clean, le clean scent de la collection, le parfum qui sent le propre, mais plus encore le parfum qui sent la lessive, le parfum qui sent la lessive en poudre même, j'ai même envie de dire. C'est le parfum que je sais que ma mère adorerait, parce qu'elle aime beaucoup les odeurs de lessive, elle aime ça. Donc c'est exactement ça. Et dedans, vous avez un accord de linge propre. Ça fait toute la différence. Donc plus les muscles, etc. Quand vous êtes accro à ces odeurs-là, quand vous avez toujours cherché un parfum qui sent ça et que vous trouvez enfin la fragrance, vous ne pourrez que succomber. Je suis hyper satisfait. Celui-ci, je vais l'offrir à ma mère. Je vais l'offrir à ma mère parce que je sais qu'elle va succomber. Maman, ce parfum, il est pour toi. Voilà, je sais que tu vas adorer. Il y a des notes d'iris, donc c'est un peu poudré également. Vous avez un peu de graines de carotte pour accentuer le côté iris. Et je vais terminer avec peau d'un soir. Et peau d'un soir, vous aurez en note de tête du rhum, du davana, de la noix de muscade. Hein, vous aurez aussi des notes épicées, de la myrrhe, du calamus. En note de cœur, vous aurez du baume gourjoum, du bois de gaillac, un accord de gousse de vanille, de la fève de tonka. Et en note de fond, vous aurez du safran, du musc blanc, de l'ambroxan et du cuir d'Inde. Et là, c'est le parfum qui sera balsamique, sensuel, hein, chaud, légèrement gourmand également. Donc, ça va être un parfum très sensuel, comme je vous l'ai dit. C'est un parfum pour sortir, pour séduire. C'est un parfum pour quand on veut
que notre odeur soit très attirante hein, quand on veut vraiment plaire. C'est un parfum, comme il se nomme, peau d'un soir, c'est un parfum pour sortir. Vous portez ce parfum, c'est parce que vous voulez plaire, clairement. Et il est magnifique. Voilà, c'est peau d'un soir, c'est la séduction, le charme absolu. Voilà, plus le fait que c'est un roll-on, vous faites le geste, c'est un rituel, ne l'oubliez pas. Un rituel parfumé, vous faites plaisir quand vous portez ces fragrances-là. Voilà, et c'est juste magnifique. Et le parfum, il va évoluer avec vous, il va se chauffer avec vous. Dès que vous allez bouger, il va sentir, il va déployer, il va s'adapter à votre chaleur corporelle. Et c'est extraordinaire. Donc voilà, pour moi, c'était une marque que je tenais à présenter parce que c'est super mignon, c'est pas cher du tout. Et ça fait le job. Voici les tarifs que je vous mets juste ici. Voilà mes camarades parfumistes pour ce qui était de la revue du jour. Je vais maintenant vous faire l'annonce dont je voulais absolument vous faire, dont je tenais à partager avec vous. C'est que votre cher Val, il est contributeur pour un site qui s'appelle parfumista.net et dans lequel je fais des revues parfumées. Voilà, donc des revues écrites, oui, ça y est, je m'y suis mis. Ceux qui me suivent sur Instagram étaient déjà au courant, mais vous qui me suivez que sur YouTube, eh ben voilà, je fais aussi des revues écrites. Et donc sur ce site, parfumista.net, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors mes camarades parfumistas, qu'est-ce que le site parfumista.net? C'est un portail web qui est consacré à la passion du parfum. Donc dedans, vous aurez déjà de l'actualité parfum, des interviews, des présentations de marques, des présentations de derniers lancements, pardon. Vous allez découvrir ce qui se fait en coulisses. Vous verrez aussi nos retours sur des expos, sur des events, ce qui est formidable. Vous allez avoir la possibilité d'être au courant de bons plans également. Et vous aurez bien sûr pas mal de reviews dont moi je suis aussi contributeur. Voilà. Et vous pourrez trouver des avis sur un peu de tout et pas que du parfum, mais aussi des bougies parfumées, du thé parfumé, des vernis parfumés. En fait, tout ce qui touche les fragrances, on y parle dedans. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vachement intéressant et c'est une approche différente de la fragrance et des revues sur les fragrances puisque vous m'avez connu sur YouTube, mais il existe pas mal de blogs sur les parfums sous forme écrite. Voilà mes camarades, vous pourrez aussi devenir membre du club et à travers ce club, vous pourrez gagner des fragrances en forme d'échantillons ou de grands flacons à gagner. Voilà. Et donc, vous pourrez retrouver des revues que j'ai déjà faites depuis quelque temps maintenant, depuis que j'ai commencé avec eux, ça doit faire plus de 6 mois. Vous aurez une revue sur Unica, la marque Unica. Vous aurez une revue que j'ai déjà faite aussi pour Ormai, la marque 100% naturelle. J'ai fait une revue pour les 3 derniers parfums de chez JUS, Joyeux Unique et Sensoriel. J'ai fait une revue pour les parfums couleurs par le nez insurgé et il y en a bien d'autres encore à venir, notamment celui que vous découvrirez prochainement, ça sera sur les 2 derniers parfums de chez Sheringan. Voilà. C'est pourquoi c'est super important, c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon pour moi d'exprimer ma passion pour le parfum. Ça me permet également, grâce à ce site, d'aller à des events aussi qui concernent le parfum. Et c'est pas rien. Voilà. C'est une nouvelle façon de toucher un public encore plus large. Donc, vous pourrez lire mes revues sur ce site. Je vous invite grandement à le faire et à me soutenir. N'hésitez pas à donner des commentaires, hein, puisque chacune des revues, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, likez aussi, ça fait plaisir. Donc voilà mes camarades parfumistas, c'est vraiment un truc que je voulais vous partager. C'est un accomplissement pour moi, c'est juste fou. Donc voilà, c'est juste une dinguerie quoi. Voilà mes camarades, ben, je suis content d'avoir pu faire cette vidéo et de vous avoir retrouvé. Shenron aussi,
Il est content, le beau gosse. Voilà, ça me fait plaisir. Merci aussi pour tous les commentaires au sujet de Shenron. Il est content, ça lui fait plaisir. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. C'est reparti, on est là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes camarades. Ciao!